Bonjour à tous, on se trouve actuellement dans le 6e arrondissement de Lyon, au parc de la Tête d'Or pour une petite visite. C'est l'un des plus grands de France, il occupe une superficie d'environ 17 hectares. Vous y trouverez un lac, un jardin botanique, un jardin paysager, un parc zoologique, à peu près 30 000 rosiers et environ 8 800 arbres. Une aire de jeu est mise à disposition pour les enfants. Vous y trouverez un carrousel, vous y trouverez aussi des balançoires, ainsi qu'un théâtre de guignol. Partons maintenant ensemble dans le 5e arrondissement de Lyon, sur la colline de Fourvière. La basilique Notre-Dame de Fourvière mesure 86 mètres de long et 35 mètres de large. Elle offre une architecture singulière aux inspirations byzantines, gothiques et romanes. Elle est dotée de 4 tours hautes de 48 mètres qui représentent les vertus cardinales. Devant vous se dresse la Tour City, surnommée la Gomme. C'est un gratte-ciel de bureaux situé dans le quartier de la Part-Dieu. Vous y trouverez aussi la Tour Part-Dieu, surnommée la Tour Crayon. Partons maintenant dans le 4e arrondissement de Lyon, sur la colline de la Croix-Rousse qui culmine à 254 mètres. Bienvenue dans le 1er arrondissement de Lyon, on se trouve actuellement sur la place des Terreaux, vous y trouverez l'hôtel de ville de Lyon, ainsi que la fontaine Bartholdi et le musée des Beaux-Arts. Derrière l'hôtel de ville, vous trouverez l'Opéra National de Lyon. Nous voici maintenant dans le 2e arrondissement de Lyon, place des Jacobins. Comme vous l'avez sûrement remarqué, je lance ma chaîne YouTube, alors n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Merci à tous.